Les garçons, mais vous êtes où les garçons? Oh, j'y arrive pas. Ouais, mais moi non plus. Allez, faut qu'on se dépêche là. Allez, vite. Mais ils sont où encore? Qu'est-ce qu'ils font? Les garçons! Les garçons! Les garçons! Les garçons! Vous êtes où? Mais vous êtes où les garçons? Si c'est une blague, c'est pas drôle! Oh! Ah ben vous êtes là! Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Mais c'est la fête médiévale, il faut qu'on prépare les flambeaux! Vous avez pas encore entendu parler des briquets ou des allumettes? Mais non, Faustine, c'est la fête médiévale! Il faut qu'on fasse comme dans le temps, voyons! Eh ben, en tout cas, je sais pas comment vous vous y prenez, mais elle y arrive, hein! Et oui, Faustine, à la tombée de la nuit, une atmosphère apaisante se pose, comme un voile de lin sur la haute ville. Comme d'habitude, on y allume quelques bougies pour faire fuir les esprits malveillants. Ou alors, est-ce une manière d'encourager les soldats du comte de Ferrette, lancés depuis la tombée du soir dans un combat sans merci face aux troupes du terrible chevalier noir? Mais heureusement, la fille du comte flanquera le coup fatal à son adversaire, mettant fin à la menace qui pesait sur la ville et ses habitants. Rassurés par cette issue positive, nos contemporains ont évidemment apprécié le spectacle qui était proposé. Alors le spectacle est super magnifique, les gens sont vraiment des professionnels, c'est vraiment très joli à voir. Et toi bonhomme, qu'est-ce que t'as préféré ? C'était les chevaux quand ils couraient et quand ils faisaient des obstacles. Et vous, madame? Les beaux combats entre les chevaliers, c'était vraiment des très grands professionnels. Les chevaux étaient vraiment superbes, très obéissants et les chevaliers, franchement, épatants. Bah, ce qu'on a préféré, bah, c'est les spectacles avec les chevaux et tout ça, les combats, c'était bien fait. Ouais, c'était impressionnant. Les galipettes qu'ils faisaient sur les chevaux. Ouais. Franchement, c'était super, super bien, ouais. Et grâce à la victoire, la population de Ferrette n'a plus rien à craindre et se prépare à fêter ses combattants comme il se doit, avec un grand défilé au flambeau. We'll be right back.
Est-ce que c'est naturel?